Et bienvenue dans l'univers magique de Harry Potter. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'une des scènes les plus emblématiques du célèbre roman de Joanne Rowling, la Chambre des Secrets. Préparez-vous à découvrir les secrets cachés de Poudlard et à vivre une aventure inoubliable avec Harry, Ron et Hermione. Et nous répondrons à des questions sur l'histoire de la Chambre des Secrets. Comment elle a été créée? Par qui? Pourquoi? Les personnages principaux impliqués dans la scène: Harry, Ron, Hermione, Ginny et les autres. Les lieux importants de la Chambre des Secrets: le passage secret et aussi la salle de la pierre philosophale. Les événements clés qui se déroulent dans la Chambre des Secrets: la rencontre avec le basilic, mais aussi la bataille de Poudlard. Puis, les thèmes importants de la Chambre des Secrets: l'amitié, le courage, la loyauté. Et je vais vous montrer les différences entre les versions livres et le film de Harry Potter et la Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets est découverte par Harry, Ron et Hermione dans le deuxième tome de la saga Harry Potter et la Chambre des Secrets. Après avoir suivi les indices dans le livre de Nicolas Flamel, ils apprennent également que le basilic qui a été libéré à Poudlard était utilisé pour protéger la Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets est également importante dans le dernier tome de la saga Harry Potter et les Reliques de la Mort, où Harry, Ron et Hermione y retournent pour récupérer un Horcrux, un objet contenant une partie de l'âme de Voldemort, caché dans la Chambre des Secrets. C'est ainsi là où se déroule la bataille de Poudlard, qui est l'un des moments clés de la saga. En résumé, la Chambre des Secrets a été créée par Salazar Serpentard pour protéger la pierre philosophale et a été découverte par Harry, Ron et Hermione grâce au livre laissé dans le livre de Nicolas Flamel. Elle est également un lieu clé lors de la bataille finale contre Voldemort. Les lieux importants de la Chambre des Secrets: le passage secret, la salle de la pierre philosophale, la salle du basilic, la salle de la bataille et aussi la salle de l'Horcrux. La Chambre des Secrets de Harry Potter comprend plusieurs lieux importants, tels que le passage secret. Il s'agit du passage secret qui mène à la Chambre des Secrets. Il est caché derrière un portail dans la salle commune de Serpentard et ne peut être ouvert que lorsqu'on prononce la formule Dissendium. La salle de la pierre philosophale. C'est la pièce principale de la Chambre des Secrets où se trouve la pierre philosophale. Elle est aussi protégée par un sortilège qui ne peut être levé qu'en répondant à une question posée par la pierre philosophale elle-même. La salle du basilic. C'est la pièce où le basilic, créature magique utilisée pour protéger la Chambre des Secrets, est gardée. Il y a également un passage secret qui mène à la salle de la pierre philosophale. La salle de la bataille. C'est la pièce où se déroule la bataille de Poudlard dans le dernier tome de la saga. Il y a une entrée secrète dans cette pièce qui permet à Harry, Ron et Hermione bien sûr, d'entrer dans la Chambre des Secrets, la salle de l'Horcrux. C'est la pièce où se trouve l'Horcrux, un objet qui contient une partie de l'âme de Voldemort, qui est cachée dans la Chambre des Secrets. Ces lieux sont importants pour l'intrigue de l'histoire. Ils sont liés les uns aux autres et jouent un rôle important dans la résolution de l'énigme et les événements qui se déroulent dans la Chambre des Secrets. Les événements clés qui se déroulent dans la Chambre des Secrets: la rencontre avec le basilic, la bataille de Poudlard, la découverte de la pierre philosophale, etc. Voici quelques événements clés qui se déroulent dans la Chambre des Secrets de Harry Potter. La rencontre avec le basilic. Dans le deuxième tome de la saga Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry et Ron découvrent la Chambre des Secrets et ils rencontrent le basilic. Cet événement est important car il permet aux personnages de comprendre que quelqu'un a libéré le basilic à Poudlard dans le but de tuer Myrtle ou bien Mimi Janyard, la fille de la salle de bain au deuxième étage. La découverte de la pierre philosophale. Harry
Ron et Hermione découvrent la pierre philosophale au premier tome de la saga. Un objet magique qui a la capacité de donner l'immortalité ou de transformer n'importe quel métal en or. Cet événement est important car il déclenche la quête des personnages pour empêcher Lord Voldemort de mettre la main sur la pierre philosophale, la bataille de Poudlard. C'est l'un des moments clés de la saga, où les différents personnages se battent contre les mages morts ou les mages noirs, ou bien les mages noirs, pour protéger Poudlard et vaincre Voldemort une bonne fois pour toutes. La récupération de l'Horcrux. Harry, Ron et Hermione retournent dans la chambre des secrets pour récupérer un Horcrux, un objet contenant une partie de l'âme de Voldemort. Caché dans la chambre des secrets, dans le dernier tome de la saga Harry Potter et le relique de la mort. Cela est important pour la quête de Harry pour vaincre Lord Voldemort. Ces événements sont clés pour l'histoire. Ils ont des conséquences importantes pour les personnages. La chambre des secrets de Harry Potter aborde plusieurs thèmes importants tels que l'amitié, le courage, la loyauté. L'amitié. Harry, Ron et Hermione sont les meilleurs amis et se soutiennent mutuellement dans leur quête pour découvrir la chambre des secrets et protéger la pierre philosophale. Ils sont prêts à prendre des risques pour l'un l'autre et cela montre l'importance de l'amitié dans les moments difficiles. Le courage. Les personnages doivent faire preuve de courage pour découvrir la chambre des secrets et affronter leurs défis qui s'y cachent. Ils doivent aussi faire preuve de courage pour se battre contre les mages morts ou les mages noirs et protéger Poudlard lors de la bataille de Poudlard dans le 7e tome de la saga. La loyauté. Les personnages sont loyaux envers leur école et leurs amis. Ils se battent pour protéger Poudlard et ses élèves car ils sont prêts à tout risquer pour sauver leurs amis. La quête de la vérité. Les personnages cherchent constamment à découvrir la vérité sur la chambre des secrets et la pierre philosophale. Ils se posent des questions sur la véritable nature de la magie et sur les motivations des personnes qui les entourent. Le sacrifice. Les personnages font des sacrifices pour protéger leurs amis et leur école. Ils sont prêts à tout risquer pour sauver ceux qu'ils aiment et pour vaincre le mal, ou bien les forces du mal. Ces thèmes sont importants dans l'histoire et ils sont récurrents dans toute la saga Harry Potter. Ils renforcent leurs relations entre les personnages et les motivations de leurs actions. Les différences entre les versions livres et films. Dans le film ou bien le livre, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il y a quelques différences entre la version livre et film de Harry Potter pour la Chambre des Secrets. La description des lieux. Dans les livres, John Rowling donne une description détaillée de la chambre des secrets, de ses pièces et ses mécanismes de protection. Alors que dans les films, ces détails sont souvent simplifiés ou modifiés pour des raisons de mise en scène. Les événements. Certains événements de la chambre des secrets sont plus développés dans les livres que dans les films, comme la réaction des personnages face à la découverte de la pierre philosophale ou bien à la découverte de la chambre des secrets et leur rencontre avec le basilic. Maintenant les amis, nous allons passer aux personnages. Comme c'est un petit peu évident, certains personnages secondaires sont plus importants dans les livres que dans les films. Pourquoi évidemment? Ils ont des rôles plus importants dans l'histoire de la chambre des secrets. Les scènes. Certaines scènes sont plus élaborées que les livres ou bien dans les films, comme la bataille de Poudlard qui est plus élaborée dans les livres et qui permet de mieux comprendre les motivations des personnages. Maintenant, voici les effets spéciaux. Les films utilisent des effets spéciaux pour montrer les créatures, les sorts et les mécanismes de protection magique dans la chambre des secrets, alors que dans les livres, ils les décrivent. En général, le livre offre une version plus détaillée et plus complexe de la chambre des secrets que le film, mais le film permet de voir le lieu.
et les événements de matière visuelle. Les personnages principaux impliqués dans la scène de la chambre des secrets. Les personnages principaux impliqués dans la scène de la chambre des secrets de Harry Potter sont principalement Harry, Ron et Hermione. Harry Potter, qui est dans la découverte de la chambre des secrets et dans la quête de la pierre philosophale, ou bien dans d'autres scènes. Il est également impliqué dans la bataille de Poudlard, qui se déroule dans la chambre des secrets ou bien dans plusieurs pièces du palais. Hermione Granger. Hermione est également l'une des meilleures amies de Harry et l'un des personnages principaux de la saga. Elle est impliquée dans la découverte de la chambre des secrets et dans la quête pour protéger la pierre philosophale. Elle est également impliquée dans la bataille de Poudlard qui se déroule dans la chambre des secrets ou bien, comme j'ai dit précédemment, dans tout le palais. Ron Weasley ou Ronald Weasley. Ron est le meilleur ami de Harry et l'un des personnages principaux de la saga. Ginny Weasley. Ginny est la sœur de Ron, impliquée dans la bataille de Poudlard qui se déroule dans la chambre des secrets ou bien dans tout le palais comme j'ai dit précédemment. Elle est également impliquée dans les actions des personnages principaux pour protéger Poudlard et vaincre les Mangemorts. Il y a également d'autres personnages qui sont impliqués dans la scène de la chambre des secrets, tels que les professeurs de Poudlard, les Mangemorts, les élèves de Poudlard et les créatures magiques qui protègent la chambre des secrets, tout comme le basilic qui est la seule créature. Pour conclure, la chambre des secrets de Harry Potter est un lieu clé de la saga. Elle est remplie d'énigmes, de dangers et d'événements clés. Elle est le théâtre de l'affrontement. Entre qui ? Entre le bien et le mal. Où les personnages principaux impliqués dans la scène, tels que Harry, Ron, Hermione et Ginny, font preuve d'amitié, de courage et de loyauté, mais aussi de sacrifice, pour protéger Poudlard et vaincre les forces du mal. La Chambre des Secrets est un lieu riche en histoire et en thèmes qui ont captivé les fans du monde entier. Elle restera à jamais un lieu emblématique dans la saga Harry Potter. Et prochainement, je vais vous présenter le livre qui s'intitule Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et à bientôt mes amis, à la prochaine vidéo.